Oh là, désolé, je ne vous avais pas vu arriver. Bonjour Emmagraftien. Ici celle B35. Voilà, normalement. Voilà, c'est mieux comme ça. Pour l'instant, il n'y a personne sur live. Je suis un petit peu tout seul. Je traîne sur Live MC comme toujours. Et cette fois-ci, la rediffusion se fera un petit peu mieux dans le sens où j'enregistre sur mon disque dur externe d'un tera de la mort. Et je rediffuserai par la magie du dieu, mais seulement en 480p parce que. Parce que déjà je stream en 480p et de deux la vidéo, ben, j'ai beau avoir le haut débit, la vidéo elle dure quand même 1h30 en moyenne. Donc voilà, donc actuellement je suis tout seul, Ben 13 était censé venir, mais bon il était pas sûr de pouvoir. Hop, je précise sur Skype que je suis en live. Le chat est pour l'instant vide de vie. Et on traîne sur IVMC. Ce que je prévoyais, c'était déjà de discuter un petit peu avec les abonnés dans cette vidéo. Et aussi de faire du UHC. De faire un UHC avec quelques abonnés en vocal pour que ce soit funky lol. Tiens, et le prochain MC Gameplay sera sur Minecraft, mais celui d'après sera sur League of Legends, hashtag spoil. Mais en attendant, du coup, je vais faire un petit death run le temps que les gens arrivent. Prévenez-moi dès que vous êtes là, les gens, normalement. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et il n'y a pas de bug. Je check juste sur la rediff, de toute façon c'est bon, mais... Alors désolé pour le chat qui... Ok, j'ai pas lancé le stream. Donc il y a un truc qui est sur la rediff, mais... qui n'est pas censé être là. Les 2 petites secondes. Et voilà, nous sommes en live. C'est bon, quand même. Putain. Donc j'ai déjà fait mon intro pour tout à l'heure, mais bon, de toute façon, est-ce que des gens vont venir? C'est peut-être pas pour l'instant, hein. Je regarde sur Twitter un petit peu. Là, 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 là. Et voilà, nous Tout le monde sommes en prend. live. C'est bon, quand même. Bon, je coupe mon son quand même un petit peu. Oh merde, j'ai mis un pouce vert à mon propre live. C'est pas cool. Voilà, donc je vais faire un death run donc parce que faut quand même meubler un petit peu pour la rediff. Mon micro était un peu passé au-dessus. D'un côté, c'est pas plus mal vu qu'il enregistre un petit peu fort. Des fois, j'ai remarqué. En fait, j'ai le choix entre amplifier 10 et amplifier 20. Sachant que si j'amplifie 10, c'est pas assez fort. Si je l'amplifie 20, c'est légèrement trop fort. Bon, j'aime autant que ce soit un peu trop fort que pas assez fort. Est-ce que ma souris est à peu près en place? Ouais, tout va bien. Tu passes bien toi-même, tu sais. Bon, on a un snail dans la game. Ça. Turtle, ok, ça a pas l'air d'être du haut level. Bon, ça va peut-être venir les speedsters, les kangous, les speedrunners. Hello everyone. Ok, donc il y a un VIP. Un VIP qui a rejoint le serveur. J'aimerais bien être VIP sur ce serveur, c'est vraiment un serveur où j'aimerais être VIP. Et SLT Spirit Wolf, premier viewer, ça fait plaisir. Donc, normalement, le stream est rediffusé aussi avec le chat, hein, donc vous avez vu arriver le SLT. C'est de l'argot anglais, hein. C'est le langage SMS anglais, écrire every 1 à la place de everyone. Voilà, donc vu qu'on est expérimenté, on peut tourner autour et pas se taper l'intro. L'intro est bien faite, mais au bout d'un moment, ça saoule, quoi.
après toi, tu pourras me dire si tout le live fonctionne, même si bon, je commence à avoir l'habitude, ça devrait plutôt bien se passer. Faudrait peut-être que j'aille streamer sur d'autres plateformes si je veux un peu plus de viewers. Hein. Sur Twitch, je sais pas si ce sera beaucoup plus mis en valeur, hein. Ça m'étonnerait. Faudrait que je vois sur Home Session, j'ai une plate. Je sais pas à quel score on. milliards. Hein. 2 milliards, je sais pas, un truc dans ce genre-là. Et hello Davy. Peut-être un anglais. Hop, oh, j'ai eu de la chance, j'avais une chance sur deux de mourir là. Ok, je run. Je sais pas s'il est anglophone ou non, il a dit hello. J'ai déjà eu plusieurs anglophones à venir sur les lives de manière complètement random, alors je préfère m'assurer. Ça lag un petit peu, bon. Si ça lag qu'un petit peu, ça va. C'est regardable. Par contre, moi je lag pas. Je lag un petit peu aussi de mon côté. Perso, j'ai du mal à passer au-dessus de 20 FPS. Tel que vous voyez dans le stream, c'est un petit peu comme je joue, je perds pas mal de FPS, puisqu'en plus, là exceptionnellement pour la rediff, j'enregistre en même temps, j'ai compris, putain, je suis. Non mais ils sont vraiment sadiques, certains devs, à activer la TNT au moment où tu penses en sortir et survivre. Et en plus, ça te fait perdre quelques secondes sur ta run. Putain de micro, ok, bon. Bah tant pis, fallait essayer. Je me suis fait un peu rattraper par les dates, les tueurs. Je vous explique pas le concept du Death Run, hein. Vous voyez bien, on est une vingtaine de concurrents. Bordel! Et salut André! Yo! Ok, je me suis fait complètement attraper par les Death. On est une vingtaine de joueurs, il y a deux joueurs qui activent des pièges pour nous tuer et on doit survivre. Et faire le parcours. Je peux pas voir combien de personnes il y a sur le stream, je pense qu'il y en a qui restent pas plus de 4 secondes. Si toi je suis encore là, tu donnes de tes nouvelles? Ah, je prends pas le risque. C'est juste du suicide d'aller là-dessus. Du suicide complet. Putain mais il est blessé. Oh, il est bolos. Oh putain, oui. Oh first, c'est surtout de la chance parce que je me suis quand même fait tuer plusieurs fois. Les deaths ont été compétents. Regarde sur la page du live, deux visionnages en cours, très bien. J'ai 5. Bla. Oh non, je fais de la pub pour. Oh, 2 pouces verts. Et je fais de la pub pour. Pour bordel. Je fais de la pub pour Cyprien Gaming, bref. 13 3 visionnages en cours, faut pas rêver, j'ai envie de dire. C'est un petit, c'est pas du mainstream hein, ce live. J'improvise un petit peu. Et tu es, et Spirit Wolf est live, va bien, tout va bien. C'est la joie, c'est la vie, c'est la paix dans le monde. À 16h, je serai pas là, j'ai un petit truc à faire. Donc si le live dure longtemps comme ça, je prends toujours un screenshot de mes premières places en Death Run. Et puis, vu que je gagne très souvent, c'est plutôt cool. Alors, je vais vous faire une petite annonce pour tous ceux qui sont là. Écrivez-moi dans le chat si vous voulez faire un UHC maintenant, attendre un petit peu qu'il y ait plus de monde, etc. etc. Hein. On a 3 visionnages en cours, donc ça fait déjà quelques personnes qui seraient susceptibles de participer. Je pense que vous avez tous parmi les viewers actuels un compte premium Minecraft, n'est-ce pas? Enfin, j'espère. Enfin, si vous avez un compte craqué Minecraft, par contre, comme le dirait l'ermite moderne, comme j'aimerais te voir pourrir en enfer, que tu te décomposes, dévoré par de salvaires, que les personnes qui t'ont aimé se mettent à te renier, et qu'à jamais soient effacées toutes tes bonnes actions passées. Un peu compliqué de chanter ça, c'est un peu aigu pour moi.
Et c'est pas très gentil pour les autres, mais les comptes craqués Minecraft, c'est typiquement le truc que j'approuve pas. Entre la bombe atomique et les comptes craqués Minecraft, je sais pas ce que je trouve mieux, mais c'est kiff-kiff en fait. Pas déconner non plus. Pas trop de news sur le chat là. Lol, je surligne. J'adore surligner. C'est trop fun de surligner. Oh lol, j'adore surligner. Surlignage forever. Désolé. Vraiment, vraiment désolé. Là où tu es actuellement, tu n'as pas Minecraft comme tous les mercredis et tu rentres chez toi à 20h. Ah mince. Bon, on va peut-être éviter alors. Dites-moi. Dites-moi un petit peu si. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce que je serais susceptible de faire un peu de Sonic 2, parce que sur émulateur, ça c'est un truc que j'aimerais bien vous montrer un petit peu, vu que je tryhard un petit peu un niveau, je vous dirai éventuellement lequel et pourquoi. Et donc faire un UHC, c'est ce que j'avais prévu à la base avec Ben 13, mais bon, Ben 13 n'a pas l'air d'être trop trop là. Et sinon pour les autres, vous pouvez me dire ce que vous voulez éventuellement, je peux faire un petit peu de mapmaking. En fait, je passe mes journées sur voilà, j'écris, je sais pas pourquoi. J'aime bien écrire. Bon, je ne ferai rien, je continuerai à tourner sur ce lobby tant que vous ne m'aurez pas écrit un truc. Bon, je sais qu'il y a de la latence, mais quand même, pas déconner, les gars. Oh, ils ont réintégré ce jump. Oh, oh, c'est mignon. Oh, ça date de je sais pas combien de temps les jumps. Bon, faire avec le lag ça va être un petit peu complexe, mais. Bon, c'est un jump simple, hein. Mais ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de jump sur ce putain de serveur. Enfin, sauf sur certains lobbies de jeu, mais. Voilà. Voilà, I be like, tu m'as compris. Bon, on atteint le deuxième stage au bout d'un moment. Et Sonic 2 peut être sympa. Ok, donc dès que j'ai fini ce jump, vu que j'ai un vote en sa faveur, élu à la majorité absolue, Sonic 2. Il y a encore des gens sur le live. 3 encore. Et bah, merci à ces fidèles 3 visionneurs, dont 2 qui ne se prononcent pas des masses. Je suis sur l'abeille! I am on the bee! Je suis sur l'abeille de The Hive! Et voilà, j'ai pris un screenshot. Wouhou! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement nous mettre sur Sonic 2. Donc, je vais lancer mon logiciel d'émulation. Et merde. Alors. Putain, j'ai trop de trucs ouverts, c'est un truc de malade. Bon, ça j'ai plus rien. Ça pareil, ça pareil, ça pareil. Ça, j'ai envie de dire pareil. Attendez 2 minutes, hein. Je vais mettre ça en place. Hop, lancer avec Kega, c'est parti. Sur le dos de Maya l'abeille, non mais Spirit Wolf. Spirit Wolf. Spirit Wolf, je ne te le répéterai pas, tu es un vilain, vilain garçon.
considère pas ça comme un jeu. Vu que c'est de l'émulation, il va pas considérer ça comme comme une capture de jeu. Je suis obligé de faire capture de la fenêtre. Donc ça va peut-être faire 2-3 petits bugs. Nyeh! Rafraîchir. Oh putain de tarasse. T'as pas intérêt à me faire un truc pareil. C'est pas comme si c'était compliqué, je sais pas moi. Comment dire? Ouais, non, c'est pas ça, du coup. Et Sonic 2, tu considères pas ça comme une fenêtre valable? Espèce de fils de Parisien. Bah ok. Ah bah merci. Bon. Bah IVMC en fond et Sonic 2 ici. Et voilà, nous y sommes. Par contre, ouais, ce serait bien que... Voilà. Et tirer à l'écran. Position taille, déplacer à droite. Ouais, Spirit Wolf sait pertinemment. C'est compliqué de mettre ça en place. Ordre, déplacer vers le bas, tout simplement. J'ai pas compris. Voilà. Parfait. Et tirer à l'écran. Voilà. Nous y sommes sur Sonic 2. Et donc je vais faire un niveau que je tryhard pour une raison que je vous dirai peut-être si vous me la demandez. Ouais, j'encourage l'interaction sur les lives, moi. Actuellement, je suis en train de taper un cheat code à l'aide des sound tests. Ça, c'est une technique de ce jeu. Donc je tape la date de naissance du créateur du papa de Sonic. Et de cette manière, je peux accéder en faisant action, bouton d'action, donc A plus... Entrée plus start, hop, je peux accéder à n'importe quel niveau. Donc là, mettons Casino Night 2, c'est un niveau que je commence à connaître pas mal. Mais sans plus, hein, je suis pas le meilleur de l'univers. Hein. Je fais 2 minutes en moyenne sur ce niveau, peut-être un petit peu moins des fois, mais certains passent en dessous de 1 minute 30. Donc bon, là, je suis déjà très mauvais, mais. Oh merde. Je suis très mauvais aujourd'hui, mais. Et tu me demandes pourquoi, quoi? Vu que j'ai 40 secondes de latence, je peux pas trop deviner. Bon, j'étais très mauvais, je vais jamais par ce chemin, c'est sans doute un des plus longs. J'ai complètement raté. Oh bordel! Qu'est-ce que c'est que cette merde? À 2 secondes près, je mourrais. Enfin, à 2 frames, enfin, tu m'as compris. Si tu m'as pas compris, je sais toujours pas pourquoi, pourquoi. Bon, là, déjà, normalement, je suis censé être vers la fin du niveau, là. Je dois me préparer pour le boss, là, en théorie. J'ai très très mal joué. Allez. Hop. Et pourquoi je tryhard? C'est voilà, c'est pour ça. Ouais, je me disais aussi, sauf si vous me demandez pourquoi, et je me souviens plus après. Je m'appelle Poisson Rouge de... Et en fait, non, c'est parce que c'est vidéo d'un youtubeur de 10 000 abonnés que j'aime beaucoup. Start New System, qui fait des jeux, pas mal de jeux rétro, des jeux Nintendo, Sega. Des petits jeux colorés, sympatoches, et des jeux que... Un genre de jeu que j'adore, essentiellement. Un let's player que je kiffe énormément. Fier youtubeur de un peu plus de 10 000 abonnés. Il a organisé un concours à vous de jouer.
où le but est de finir ce niveau de Sonic 2 le plus rapidement possible en vidéo. Et donc je m'entraîne. Je me disais, j'étais super fier d'être passé en dessous de 2 minutes une fois, j'ai fait une 52 pour l'instant. J'ai jusqu'au 2 mai pour le faire, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Et comment dire, j'ai merde. J'ai remarqué sur Twitter que les potes à ce youtubeur, ils passaient en dessous de la minute 30. Donc ça m'a pas mal fait rager, mais maintenant bon, je tryhard. Jusqu'à filmer la version finale que j'enverrai par mail. Et que je rediffuserai d'ailleurs sur ma chaîne perso, ma chaîne CLB35. Et voilà. C'est fini. Et tu sais désormais tout ce qu'il y a à savoir. SLT Mat au passage si tu me regardes, ce qui est la chose la plus improbable de la Terre, après le fait que le youtubeur Top 10 me follow sur Twitter. Et c'est vraiment le cas. Hop, on va jouer avec les graphismes du jeu. Wouhou, je vole. Bon, j'ai fait une petite save state là-dessus pour pas avoir à retaper tout le temps le cheat code. Je vais pas faire Casino Night en boucle pour vous, hein, vous inquiétez pas. Je pourrais tourner une vidéo pour la chaîne CLB35, où je fais quelques niveaux. Je pourrais faire un let's play sur ce jeu en fait dès maintenant. Le problème c'est que je pourrais pas le finir aujourd'hui. Wouhou! Bang! Bang! Sachant que je compte m'acheter portable, que j'ai toujours Ocarina of Time à faire en let's play, mais j'ai du mal à motiver à le faire. Parce que Ocarina of Time a tendance à être un petit peu lourdingue du fait de ses 17 FPS constants. Voilà, là je me débrouille mieux quand même. Regardez, j'ai fait 40 secondes sur le niveau, je m'approche déjà de la fin. J'étais à 1 minute 30 là tout à l'heure. Si je bats mon record sans filmer, bah c'est pas trop grave parce que je peux toujours prendre l'extrait après. Et re-salut Ménard André, je crois. Ouais, re-salut. Bon, je suis sur Sonic 2 actuellement, ça m'intéressera peut-être moins. Je vais renommer la vidéo d'ailleurs. Donc si vous F5ez votre page actuellement, vous voyez que le titre a changé. MC4 Live 5. Et celui-là normalement sera rediffusé sans bug. Ça prendra juste un petit peu de temps à faire, mais bon, vu que pour live généralement il n'y a pas de montage à faire. Sauf en cas de grosses conneries dites en live, mais bon, ça arrive rarement ça quand même. Stenons-le quoi de bon comme ça. I can't speak English actually. I'm young and I am not very good at speaking English. Ridicule. Bref, ça arrive beaucoup trop souvent qu'il y ait des anglophones sur live. Il y a peut-être une option que je règle mal, mais pourtant je dis bien que le live est en France quand même. I'm French and it's difficult to speak English for me. Et mon accent est misérable. Bon, y a vraiment qu'en live que j'ai ce genre de problème, sérieux. Allez. Donc hashtag mourir en boucle. Bon. Ouais, du coin de... Allez, on va aller du coin de Death Egg, on va faire la fin du jeu. Pour rire. On est à toute fin du jeu, là. Attention, Metal Sonic. Hein? Ah mince. Connerie. Tu
Tu connais pire que moi en accent anglais, mais moi je connais meilleur que moi, que j'ai déjà fait mieux que ça en fait. Ah oui, je vois. Faut vraiment y aller. Donc là je cheat absolument, hein, faut pas croire, hein, mais c'est un cheat code intégré au jeu. Si vous faites le jeu sur Mega Drive, vous avez le même truc, hein. J'ai déjà fait quelques dégâts de cette manière. Ça c'est l'ancienne version de Metal Sonic en fait. Oh merde, j'avais pas prévu cette phase là. Merde. Bon. On va aller au début du jeu, ce sera plus fun. Parce que là, c'est pas même pas encore le boss final. Hein, c'est un pré-boss. Et une première version du jeu qui est sorti un peu après Sonic CD. Le Metal Sonic. Il y a des théories comme quoi Metal Sonic et Sonic te feraient qu'une seule personne. Mais bon. Personnellement, ce genre de théorie, souvent, ça se base que sur des coïncidences, les arguments en faveur de théories. Donc même si j'adore l'émission de Didier Chambaudouis, sa théorie, je suis généralement contre l'élaboration et croire dur comme fer à des théories comme ça. Il y a certaines que j'apprécie, mais ça reste assez limité, parce que souvent les créateurs ne peuvent pas avoir pensé à des choses aussi complexes pour un jeu comme un Sonic. Peut-être pour la planète Mobius, il y a peut-être des choses à développer là-dessus, mais bon, on n'a pas vraiment d'éléments qui puissent nous indiquer... Donc là je joue à Sonic 2, je m'amuse, je discute. Un anglophone se pointe sur le live sans pression. Mais dites, est-ce que vous voulez que j'aille faire autre chose, quelque chose, ou bien alors que. Je sais pas, que je pourrais tourner un let's play sur ce jeu vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je préfère à Sonic 1 perso. Sonic 1 est très bien, mais bon, Sonic 2 est plus abouti. YOLO. Ce vieux boss tout pourri. Oh, tu me fais peur, toi. Merde. Je dis ça, mais il me fait mollo, c'est marrant. Putain, mais quel nul. C'est ridicule. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce boss. Hein. Que concrètement là je me suis remis très récemment à Sonic 2 et seulement pour le niveau le deuxième niveau de Casino Night. Lol. Boom, you mad. T'es mad hein. Hein, you mad. Ah, pendant 1 minute 8. Pas la joie. Voilà, on accélère un petit peu, fast forward, on off. Ah, ce niveau c'est probablement l'un des meilleurs de Sonic 2, si ce n'est le meilleur. Et qui a été repris dans le jeu Sonic Generations que je possédais mais que je possède plus parce que j'ai paumé la clé CD et que j'ai changé de PC entre temps. Enfin, pas de PC, je suis pas sûr. Mais de compte Steam. De compte Steam, ça je suis sûr. Bah ouais, j'ai paumé deux mots de passe de compte Steam en fait entre temps. De me voir sur Sonic, ça te va. Bah tant mieux. Est-ce que ça me va à moi? Non, je me dis que vu que j'aime pas mal ce jeu et que là je m'y remets et que je prends du plaisir à le faire en live et tout, je me demande si je pourrais pas faire quelques vidéos dessus, presque un let's play en fait, je pourrais essayer de commencer un let's play aujourd'hui dessus. À la base je vais faire des UHC mais... 14h30, ok, ça fait une demi-heure qu'on est en live je crois, je vais vérifier. Oui, pile poil. J'ai deux notifs. Hein. J'ai reçu une petite réponse rigolote de Malatox. Il y a un truc que je ne prends même pas la peine de lire. Pendant que Sonic s'ennuyait sur le live, d'ailleurs, vous l'avez vu. Je suis méchant avec Sonic. Hein. Ok, LM, sans pression, toi, fais comme tu veux. Et bang. Ouh. Et il y a Sonic Adventure aussi, qui est mon Sonic préféré en 3D. Sonic 2, c'est mon 2D préféré. Vu que c'est celui auquel j'ai le plus joué concrètement, même si objectivement je considère que les Sonic CD et Sonic 3 sont meilleurs.
Mais perso, je trouve qu'il a vraiment son charme ce Sonic 2. Et Sonic 1, bon, bah, c'est le premier, c'est ça qui est bien, mais il est quand même beaucoup plus abouti Sonic 2, Sonic 1, j'ai un petit peu du mal à y jouer. Je me paume dans ce niveau, je connaissais une route bien plus rapide avant, mais bon. Hein. Je suis de moins en moins bon avec le temps. Enfin, c'est surtout que je m'y remets, quoi, j'ai pas joué depuis assez longtemps. Sinon, il y a un jeu que je connais aussi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Billy Hatcher and the Giant Eagle, il est sorti sur GameCube en 2003. C'est un jeu de mon enfance et j'en parle pas mal sur ma chaîne perso, enfin, rapidement pour l'instant, mais ça va venir, hein, dans les mois à venir. Enfin, surtout plus tard que prévu, parce que je m'en occupe tellement peu en ce moment de ma chaîne perso, ça fait 4 semaines que les gens attendent que je poste le dernier épisode de Let's Play de Mighty Quest. J'ai un peu trop tendance à le considérer comme fini ce Let's Play. Mais apparemment quelque chose est cool, le problème c'est que... ouais, le léger problème c'est que vu que j'ai 40 grosses secondes de décalage, je peux pas tellement savoir à quoi ça fait réaction. Je sais que c'est pénible, je sais que c'est pas sympa, je sais que... mais j'y peux rien. Donc le cool est probablement très sympathique, mais je peux pas savoir à quoi il fait référence, ce qui est un petit peu ballot. Et ah oui, concrètement, anglophone encore. C'est le cas, j'ai vraiment pas de bol. Mais d'un côté c'est rigolo. Par contre je sais pas ce que fait YouTube avec son référencement, mais c'est un bolo sur YouTube. Wesh. Le visionnage en cours, les gens vont et viennent. And I actually can't speak English, hein, si quelqu'un se pose la question. I am French. I'm 13 years old and I can't speak English. Et I have got a terrible accent. C'est la deuxième fois que je dis ça. Alors ça c'est un petit bug qui m'énerve un petit peu. Mais bon, fait avec, je suis passé au travers d'une plateforme mais... Et c'est un petit peu handicapant. Ah non, même pas. Et oui, il est anglophone. Bon, il a écrit deux messages et je les vois ces messages donc... Et merde. Putain. Bon. Priez pour ma vie, je suis sous l'océan. Putain. Putain. Bon, ça va, j'ai pas encore eu la musique ultra stressante qu'on a quand on reste trop longtemps dans l'eau. Bon là faut faire gaffe parce que sinon on a tout à refaire. Les plateformes n'ont aucune forme de d'easing ou d'accélération, ça connaît pas, c'est vitesse constante donc faut vraiment bien calculer son saut parce que là ça n'a pas du tout la même physique par exemple que les personnages. Merci connard. Bienvenue sous l'océan. Wouhou. Putain, j'ai failli crever. Ce boss là est hard. Parce qu'on peut crever à tout moment en tombant en se basant sur les plateformes mouvantes. Ça peut nous arriver n'importe quand de mourir. Je fais une bonne performance là. Bon bah tant pis, ça arrive hein. Ah, je fais. Bon. Ça vous dit un let's play sur ce jeu que je tomberai dès maintenant. Remplacement d'Ocarina of Time qui me tente sans plus en fait. Là, je me sens tenté de tourner sur ce jeu. Ok, tout va bien, sans pression. J'ai tué le boss. Sans pression, le mec. Waouh. Oh, je suis fier. Oh, je suis fier. Eh, faut s'en souvenir de ça. Et au fait, désolé pour un 440p. Bon, sur Sonic, ça devrait pas être trop handicapant. Mais je peux pas trop faire mieux parce que ma connexion, même si elle est... devenu vraiment pas mal. Oh, j'adore la musique de ce niveau. En fait, pourquoi j'adore la musique de ce niveau, c'est parce que en fait c'est une musique qui avait été réutilisée pour un jeu Flash Sonic un peu tout pourri. Alors Tinjof m'a contacté. Bon, désolé Sonic, je sais tu es impatient mais
Et Spiritwolf considère que le let's play est une bonne idée, donc je pense que sans... je finis ce niveau et puis après je go faire ça. Et puis à 16h moins le quart j'arrêterai le live à coup sûr. De toute façon. Peut-être que je pourrais le reprendre après si le cœur m'en dit, mais merde, 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 merde. Oh, ce lock. Oui, je suis encore connecté sur FMC, c'est pour ça qu'il y a eu un miaou. Ouais. SLT, c'est un Joff. SLT, tout le monde. Attends, tout le monde, tout le monde, ça se limite à 3 personnes, mais bon, tout le monde quand même. C'est... Donc c'est tout le monde. Oui, tout le monde, admettons. Alors, Joff, de la MC4, après tout, ça s'appelle MC4 Live, pas CLB Live. Il y a deux ou trois anglophones qui se sont pointés sur le live et j'ai répété deux ou trois fois avec un accent misérable et un vocabulaire digne de d'un politique que je ne savais pas bien parler anglais à mon âge car je suis français et que j'ai 13 ans et que voilà. Attends, je re... Ouais, okay. Oui. Sitôt arrivé, sitôt parti. Attendez, je mets le jeu en pause. On dit SLT, atteint Joff dans le chat, c'est trop gentil. Cependant, je vais voir F. Oh, on est large. On est large. Le live fonctionne toujours et le record aussi, mais ça m'étonne que mon disque dur se remplisse pas un petit peu quand même. Bon, se trouver sous l'eau comme ça, c'est vraiment pas drôle. Bon, au final, je dois se laisser pendant une dizaine de minutes. Ah bon, je dois faire vite fait un truc. On se retrouve après alors. Ton titre, connerie. Merde. Non, connard. Je crois que je vais crever. Dans 5 secondes tu vas mourir, dans 4 secondes tu vas mourir, dans 3 secondes tu vas mourir, dans 2 secondes tu vas mourir, dans 1 seconde tu vas mourir, dans 0 secondes t'es mort. Se déplacer sous l'eau comme ça c'est d'un ch... Oh chance. Ça s'est pas joué à grand chose. YOLO. Allez, checkpoint. Voilà, easy. Moi les boss je les bats aise. De toute façon, même le boss de Casino Night qui est un peu plus complexe, je le bats aise. Donc j'avais dit que je tournerai l'aspect dès la fin de ce niveau. Donc, quasi-vivage en cours, hey. Pic d'audience. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause. Et je vais vous retrouver dans quelques minutes, donc à tout à l'heure.
tout le monde. Bon, tout le monde, un peu moins de monde du coup, vous êtes un petit peu barré pour l'instant là. J'aurais peut-être pas dû dire que je revenais dans quelques minutes, mais dans quelques secondes en fait. Bref. Donc. Je vais fermer Minecraft quand même. Donc pour le let's play, c'est prêt. Je vais peut-être augmenter la taille de la fenêtre. Donc pendant live, je m'occuperai probablement moins du chat quand même, parce que, bah logique quoi, c'est un let's play. Donc vous me prévenez dans le chat si vous avez quelque chose à dire, et pour me dire salut quoi, pour être gentil, et puis on y va. En attendant, je vais sur cet écran noir et je vais consulter mes tweets. Et j'en ai 19 à lire. Ça cause pas des masses sur le live, mais sachez que je vous ai compris. Bon. Ouais, il faut. Alors, et vous causez pas? Et vous êtes des méchants, d'abord. Qu'est-ce qui vous pose problème? Et j'ai réactivé mon micro, on est bien d'accord? Oui, j'ai réactivé mon micro, je suis pas complètement starbé. Ok. Bon bah. Parlez! Parlez, parlez quoi! Parlez, bon sang! Oh là là. Je veux pas continuer un live s'il y a personne à parler. Bon, les gens se cassent au fur et à mesure, il n'y a plus qu'une seule personne à regarder. Bon. Je trouve peut-être que. Bon bref, je commence ce let's play, oui ou non? Ah, ok, Spirit Wolf. Bon, il y a vraiment plus grand monde sur live. Voilà, donc je vais commencer le let's play. 3, 2, 1. Je commence un petit peu le record. Déjà. Voilà, je record external input. Allez. «
Bonjour les gamers, ici CLB35 pour un let's play sur un jeu que vous avez déjà vu rapidement sur la chaîne personnelle CLB35. Donc pour cette fois-ci, non pas une simple petite vidéo dans le cadre du Summer Retro Show, la vieille série là, pour un let's play de Sonic 2 en bonne et due forme, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il est sorti en 92, ensuite au jeu Sonic 1 sur la console Mega Drive, un jeu japonais de plateforme que vous connaissez probablement dans son univers. Donc le but, récupérer les ch'tis nano pour récupérer en quelque sorte de la vie. Quand on se fait toucher, on perd par un ennemi, on perd ses anneaux, et on peut quand même les récupérer. Voilà, comme ça. On est des partages, notre fier compagnon qui un petit mécano sympatoche qui veut un peu faire ses preuves auprès du hérisson bleu supersonique qu'est Sonic, parce que oui, c'est un hérisson bleu supersonique. Donc on est parti sur le premier niveau speed. Donc on a aussi des caisses qui nous donnent des items. L'histoire du jeu, c'est invincibilité, de déjouer les plans du docteur Eggman, un fourbe monsieur qui capture certains animaux de la forêt pour les transformer en machines et ainsi conquérir le monde, of course. Et donc on doit l'en empêcher. Donc Eggman, ça c'est sa tête, maintenant c'est la tête de Sonic évidemment. Donc je parle un petit peu pour des néophytes de Sonic, après pour ceux qui connaissent déjà, ça ne doit pas être très intéressant. On a déjà fait le premier niveau, je connais bien le jeu, donc je vais relativement vite. On a pas mal d'ennemis à venir. Je précise également que je suis actuellement en live, enfin pas actuellement pour ceux qui regardent l'épisode évidemment, mais c'est let's play. Je pense que presque tout est let's play de la chaîne CLB35 maintenant. Je les ferai d'abord en live parce que c'est quand même plus fun. C'est une autre adrénaline, c'est d'autres sensations, c'est... Je suis piégé. Et c'est pour moi beaucoup plus intéressant. Donc concrètement, ce sont des rediffusions de live que vous voyez, mais ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça fera que les vidéos seront présentes en 2 exemplaires sur les rediffs des live et sur les épisodes. Et donc là, on avance paisiblement, hein, on ramasse les abdos, on trace un petit peu, il ne nous oppose pas une grande résistance pour l'instant, mais c'est le début, c'est normal. Cependant, Eggman, lui, peut nous opposer une résistance. Regardez, le voilà qui arrive, le vilain. Il veut nous empêcher de déjouer son plan, évidemment, vu qu'on casse les robots, et comme vous voyez, ça ne les tue pas, on voit les petits animaux sortir et se libérer dans leur habitat naturel. Donc, pour parler du jeu, à son époque, il était quand même assez attendu, il est vachement... beau et avec une très bonne bande son pour de la Mega Drive et de la plateforme très perfectionnée, et c'est un jeu qui a dû marquer toute une génération qui n'est pas la mienne. Moi j'ai connu Sonic avec Sonic Adventure 1 sur Dreamcast, et même si j'avais le portage PC Sonic Adventure DX. Et donc oh là là, je ne parle pas, je suis un loser du commentary. Et en bref, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié ce que je disais, c'est merveilleux! C'est tellement incroyable! Donc on est dans le deuxième environnement du jeu. Après avoir quitté la colline d'Emeraude, on atteint l'usine chimique. C'est une usine avec des produits chimiques. On fait difficilement plus simple, hein, mais ça peut vous paraître un petit peu injustifié, des passages de décor comme ça. Mais concrètement, vu que les designs sont magnifiques et que la plateforme est super bien faite, on excuse, d'autant que ce niveau est quand même l'un des meilleurs du jeu, et qu'il a été repris dans le jeu compile, enfin pas vraiment compile, mais anniversaire Sonic Generations, où il reprend quelques niveaux très célèbres de l'univers du célèbre hérisson bleu qui comprend vachement vite. Et ils ont été regroupés dans deux gameplays, les gameplays des Sonic the Hedgehog modernes et des rétro comme celui-ci en fait. Personnellement, j'aime autant les modernes que les rétro, même si ce n'est absolument pas le même style de jeu concrètement. Mais l'un est plus orienté plateforme et l'autre plus vitesse et mise en scène qui décoiffe. L'autre n'était pas tellement possible à l'époque, ça aurait été assez inintéressant. Et puis les jeux en 3D sur Mega Drive, c'était pas vraiment possible en fait. Sur Super Nintendo, depuis le Super FX, on a eu des Starwing, des
premier jeu de la saga Star Fox pour les incultes, et aussi pas mal de trucs en 3D et Doom. Toujours est-il qu'on est qu'on avance actuellement sans trop de difficultés et ça va relativement vite. Et je pense qu'un let's play sur ce jeu fera maximum 4 épisodes. Mais je m'en fiche, je verrai bien comment je découperai. Je pense que je vais tout tourner d'une traite. Toi-même, tu sais. Là, c'est quand même assez galère pour mon PC qui stream, enregistre le stream et record la barre en même temps. Donc là, on aura l'impression d'aller vers l'arrière, mais cette zone est un petit peu labyrinthique, quoique un petit peu scriptée quand même. Hein. On voit assez facilement où aller. Et franchement, replacer ça dans le contexte de 92, c'était un truc de malade. Même si la vitesse, même si le défilement sur Mega Drive était très bien géré. Bon, allez, spécial stage. Allez, on a bien des trucs à faire quand même. Donc les spécial stages Sonic sont quand même des petits éléments légèrement en 3D. C'est pas de vrai 3D, mais c'est quand même ça. Quand on atteint suffisamment d'anneaux et qu'on passe un checkpoint, donc on a passé le checkpoint, j'ai du mal à tout vous dire, mais c'est assez dense, hein. Un peu compliqué de tout vous expliquer. On peut ainsi récupérer des Chaos Emeralds, c'est comment dire, des émeraudes qui permettent de donner des pouvoirs assez ahurissants et scientifiquement assez improbables. Mais qui sont assez importants dans l'univers de Sonic, les Chaos Emeralds. Un Egg to Go, c'est bon, Egg to Go, ça va. Et que Eggman veut s'en emparer pour ses projets de conquête du monde, tout ça. 140 rings, ça va être un petit peu galère, toi-même, tu sais. C'est le round où je perds en général, c'est le dernier, c'est dommage. Faut surtout pas se prendre une bombe dans la face parce que sinon, on meurt. Enfin, on meurt pas, mais on perd des rings et là c'est quand même, c'était très juste. Et la voici, la Chaos Emerald avec des bugs graphiques. Tant. Et j'ai gagné une vie. Donc là c'est des game over définitifs. Hein. Pas déconner. Dans le doute, pour la continuité du let's play, toutes les deux zones je ferai quand même une sauvegarde. Donc parce que un let's play ça se doit d'être un petit peu constant quand même. Si on recommence depuis le début à chaque fois, ça peut être un peu lourd. Merde. Nya. Bon, c'est pas simple, mais cette phase est un petit peu plus complexe déjà, mais on peut s'en sortir. Un bon jeu de plateforme à l'ancienne, c'est un petit peu le genre de jeu que j'aime vous faire en let's play aussi, parce que ça change déjà des jeux qu'on voit souvent en let's play, notamment sur cette période où les jeux de 8ème génération overhypés font les stars sur YouTube. Et Minecraft, et bon, évidemment, hein, mais bon, ça, je peux difficilement m'exprimer de manière sincère sur ce sujet car je fais moi-même pas mal, énormément, je fais quasiment que ça, de vidéos sur Minecraft, mais c'est bien aussi de laisser leur part à certains jeux qui sont certes plus vieux mais qui sont aussi très beaux et très très fun. Il en faut pour tout le monde. Et donc voilà, Sonic 2, aujourd'hui tu es l'un de mes Sonic 2D préférés, si ce n'est le Sonic 2D préféré. Alors je t'offre la part du gâteau du YouTube Game et de ma chaîne YouTube. Donc allons-y, on s'approche du boss et je vais bientôt faire une sauvegarde du coup. C'est un boss qui peut être assez complexe. C'est Eggman toujours qui nous trouve dans une nouvelle machine. Mais non. Oh non, je suis mort. Oh non, je suis mort. Je suis mort. C'est la mort. La mort qui est mortelle. Et bon, fallait bien que ça arrive au bout d'un moment. C'est pas un très gros souci. On va réessayer cette fois. Utiliser une technique que je connais. Voilà. Simplement lui sauter sur la tête. Non, faut, là j'ai encore deux vies, mais ça va être très juste. Intérêt à faire très gaffe.
et à pas trop faire le fifou. Autrement dit, pas comme ça, bolos. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon, le boss n'a pas survécu bien longtemps, mais il nous a quand même tué deux fois, j'ai envie de dire. Et voilà, on libère tous les animaux de la forêt une nouvelle fois. Et je sauvegarde ici pour la suite du let's play, pour la continuité du let's play. On sauvegarde toutes les deux zones quand même. C'est pas un très gros cheat, hein, c'est juste parce que c'est un let's play. Le let's play, ça se doit d'être un minimum suivi et constant. Si je refais l'épisode 1 après l'épisode 57, même si c'est peu probable qu'on atteigne un épisode 57 sur ce let's play. Je préfère quand même faire attention. Donc là on est dans une zone qui m'est assez chère parce qu'elle a une musique d'un vieux jeu Flash Sonic auquel j'avais joué étant plus jeune et qui m'avait pas mal marqué même s'il était absolument nul. Et donc la musique me fait encore rappeler mon enfance. C'est fun. C'est fun l'enfance. Et la nostalgie aussi. Et donc là on est sous l'océan, c'est nul. Ok, merci de me renvoyer en arrière, connard. Tonti. Voilà. Donc la musique overstressante de la noyade. On évite quand même. Merci. Stop. Parisien. Allez. On avance. Et rien ne peut arrêter le hérisson bleu. Et des Sonic, il y en a qui seront aussi peut-être un petit peu plus intéressants à faire en let's play. Mais celui-là, j'avais vraiment envie de le faire sur un coup de tête comme ça. Tourner de ce jeu, même si ça fait pas un let's play. Bon. Il y a toujours les Sonic 3D qui ont une durée de vie assez supérieure. Et là, vu qu'on fait des save states, c'est pas le même challenge, on va dire. Voilà, quand même. Allez, on attend l'eau parce que si vous ne l'avez pas compris, quand même, c'est assez explicite. On peut mourir sous l'eau, on peut mourir de noyade et il faut récupérer une bulle d'air comme ça. C'est réaliste, je sais, hein, mais. Des poches d'air pur comme ça sous l'eau, c'est somme toute relativement rare. Il y a deux caisses de rings là-haut que j'aimerais bien atteindre, mais ça va être un petit peu compliqué. Si vous aviez, je vous ai expliqué le système de vie au début. Si j'arrive pas à atteindre, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai déjà assez d'anneaux comme ça. On dit ring ou anneau, moi je dis un petit peu les deux. Je m'amuse quoi. On peut avancer, ça se passe relativement bien. Si je me prends un petit peu des coups dans la face, c'est que je vais mourir. Tu vas mourir dans 3 secondes, tu vas mourir dans 2 secondes, tu vas mourir dans 1 seconde, tu vas mourir dans 0 secondes, tu es mort. C'est la musique de l'enfer. La musique de la mort. Mon live de mon côté, bon, pour ceux qui regardent le let's play après, ce n'est pas. Ça va vous intéresser ce que je veux dire. Mais mon live de mon côté est assez mort en fait. C'est con. Il y a une personne à me regarder qui n'écrit pas de commentaires. Probablement un spiritual. Mais... SFT spiritual au passage. Alors nous voici enfin au boss. Un petit peu défoncé. J'étais monté dessus là. Une frame qui s'est doublée. Oh là, oh là, l'émulation a du mal. Ok gars, c'est vraiment un bon émulateur, faut pas déconner, mon PC c'est pas de la merde. Bordel, je vais réussir à monter là-dessus, oui bordel. Oui, j'ai touché le boss. Oui, trop fort. Forever trop fort. Quoi? C'est quoi ce slash TP là? Non mais sérieusement. Bon, heureusement qu'il nous oppose un petit peu de résistance.
Et Spiritoir, je vais bien seul à regarder. Un peu dommage. Pendant que je galère à mort contre ce boss que j'ai déjà tué en 6 ou 7 secondes. Montre en main, je vous jure. Oh non. Oh, c'est triste. Va falloir arrêter de faire le fifou et essayer de gérer un petit peu. J'ai pas de rings. Putain, ça commence bien. Putain, je pars déjà sans rings, ça veut dire que je me fais one shot. Oula. Ok, merci. Bon bah Tails s'est fait un petit peu tuer. Miles Tails Prower, le nom de notre petit copain qui nous suit là. Et qui ne fait rien de bien intéressant. Dans les Sonic 2D, de toute façon, dès qu'il y a un problème, c'est à cause de Tails. Par contre, dans les Sonic suivants, il a un petit peu plus de personnalité et de talent particulier. C'est pas un geek, il a ses pouvoirs, il les a pas téléchargés. Hein. Il répare des vaisseaux. Oh non. 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 Bon bah, game over. On reprend ici. On va recommencer la zone. Pas de ma faute. Désolé les gens. On va essayer de rusher un petit peu cette fois-ci. Putain, mais j'ai rattrapé la flèche quoi. Quand je vous dis que ce hérisson est un type rapide. Putain, ok, je galère. Et j'ai des gros mots en plus. Wesh, Tug Life. Toi-même, tu sais. Dédicace ici la famille. Allez. J'ai du mal à progresser. Hein. Tu vas mourir dans 9 secondes, tu vas mourir dans 3 secondes, tu vas mourir dans 5 secondes, tu vas mourir dans 7 secondes, tu vas mourir dans 2 secondes, tu vas mourir dans 1 seconde, 2 secondes. Je connais pas l'ordre des nombres en fait. En tout cas, je suis mort. Et je vais arrêter ma première session de record ici. Donc on se retrouvera bien. Pour un prochain épisode les amis, donc on galère un petit peu à Aquatic Ruin, enfin un petit début de challenge, donc j'espère que ce premier épisode vous aura quand même plu et que mon commentaire n'aura pas été trop ennuyeux, et au pire si j'en suis pas fier je supprimerai le play, mais bon là ça me paraît pas trop mal parti quand même, donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas, et donc sur ce soit cascade et dans ces environnements magnifiques je vous dis au revoir, c'était CLB, voilà. 'Je parle pas, mais je vais arrêter le record pour l'instant parce que ça faisait un petit peu redondant. Je suis un petit peu triste d'être mort là quand même, mais bon. On va dire tant pis. Bon bref. Voilà, donc je sais pas trop quoi faire actuellement. Oui, je me souviens même plus de cette zone. Ah si, c'est vrai. Elle est galère cette zone. Et d'ailleurs, il y a une zone, la dernière zone de Sonic Adventure s'en inspire fortement. Il y a des trucs assez similaires dedans.
Bon, vous me regardez, regardez jouer à Sonic pendant combien de temps comme ça? Bon, va falloir qu'on fasse bouger un petit peu les choses et qu'on s'explique en face. Qu'est-ce que vous voulez, les amis? Je regarde sur la barre de progression du live, j'ai tourné je sais pas combien de temps de Sonic 2, mais... Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, même Sonic s'ennuie en fait. Ok, merci. Ok, génial. Putain. Voilà, quoi. Et ouais, c'est une bonne question selon Spirit Wolf, mais y répondre c'est bien aussi. On va finir Metropolis Zone comme ça pour le goût. YOLO. Oh, ça va trop vite. Oh mon dieu. Ouais, il y a tellement de commentaires, c'est juste un truc de malade. J'ai juste trop un boss. Et merde. Merde, non. Bon, et puis merde, Alt F4, lol. Et ouais, vous voyez actuellement un écran noir, mon Twitter, et puis c'est tout. Et Minecraft, il y en a pas, la pause. Mettons pause, c'est déjà pas mal la pause, j'aime bien les pauses. Même si là, clairement, je suis pas tellement en pause que ça en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que je me sens de continuer le live, sachant qu'il n'y a absolument personne? Est-ce qu'on dit que non? Parce que voilà quoi, c'est un petit peu... Voilà, tu m'as compris. Bon. Alors Spirit Wolf, soit tu donnes une idée immédiatement, soit je stoppe le live.
Alors, live, c'est quoi? Minecraft, UHC run. Hashtag, j'accepte le défi. Allez, c'est parti pour du UHC run. On y va. Et après, je pense que j'arrêterai définitivement là quand même. Pourquoi j'ai lancé Ocarina of Time moi? Sonic 2, je désactive. Dès que Minecraft sera là, vous le verrez. Et comment ça, c'est pas moi qui lag? Tiens, je peux record mon logiciel de record. Non mais sans pression quoi, parfait. Comme chez vous. S'il y a vraiment des starbés à regarder la rediff en entier, les mecs. Oh, sérieux, les mecs, quoi. Vous êtes des génies. Bon. Sama Games, direction. Hop, nous y sommes. Voilà. Voilà, donc direction Ukraine en solo, à moins que tu ne puisses venir. Non, tu peux pas venir Spirit Wolf, c'est vrai. Bon, allez, direction UHC Run. Voilà. Partez, je veux finir au jump. Non mais oh, vas-y, donne des ordres aussi tant que tu y es. On a envie de faire une partie nous. Tu prends pour qui l'autre là? C'est vrai quoi? Oh Wario! Salut Wario! T'as un nez vachement rouge, tu sais. Oh Wario, que tu as un gros nez. C'est pour mieux sentir, mon enfant. Waouh. Oh mon dieu, Skype se réveille. Oh mon dieu, Ban 13 est de retour. Slash lobby. Oui, bonjour. Et oui, bonjour le Ben 13, on t'attendait depuis je sais pas combien de temps. Est-ce que j'ai encore le temps de faire un UHC? Normalement, ouais, mais ma mère elle m'a dit on va chez le dentiste. Allez, surprise! Sans vrai. Du coup, je suis allé chez le dentiste. Et alors, éteins Joff par la même occasion. Donc, on va où? Donc, je pense qu'on aura le temps de faire qu'un UHC run parce que. D'accord, bah c'est pas là du coup. Et encore, c'est limite si on a le temps de faire un UHC run quoi. Bon. Mais si, un UHC run ça peut le faire. Allez, go 3v3 en UHC rune. En UHC rune. Vous êtes tous UHC run 61, vous le voyez? Fais une partie. Attendez, moi je pose sur le cercle. Ah oui, c'est parti. À partie. Ah vas-y, j'ai des. Y'a quoi comme. Ah, des machines, y'a des kits. Salvé, c'est toi qui vas partir ou c'est Ben qui va partir? C'est moi qui vais partir. Ah, pour combien de temps? Je suis là depuis. Pour quelque chose comme un peu moins d'une demi-heure. Ouais. Ah, oui. Au pire, on commencera, on refera une deuxième partie du live après si je le faut. Il y a tellement de gens en B sur le serveur. Alors, c'est quoi le serveur? C'est Sama Games en fait. Sama Games, mc.samagames.net. Yo, bonjour! C'est bon. Ah, le M. Il y a Dawid sur le serve, lol. Et il y a Sushi Serve. Ah, il y a Dawid et Sushi qui doivent être en game. Ouais, du coup il y a tout le monde qui veut les voir. Bon, Tingorsov, tu te connais. Ah, je te vois, c'est le B. T'as rejoint la partie. Arrête de courir. Arrête de courir, je suis derrière toi. Casse-toi. Bon. Ah, je vais faire un truc en frappant. Ah ouais, c'est le B, tu frappes. En partie. Frappe-moi. C'est marrant. Et salut, salut Vincraft, le live te répond. Un peu en retard. Salut mais bon. Le lag.
Attends, faut que je te frappe, c'est marrant. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? On fait juste un UHC run et on arrêtera le live, parce que moi, je devrais y aller. Donc, un type mec, t'as masse de coins, hein, mec. Ah bon? T'en as 180. Enfin, 1080. Comme les pixels. CLB, tu... Parti. J'ai fait la partie. Invité dans ma partie. C'est... Oui, mais invite-moi. Invite-le. On fait un bail. Tu veux la valise, oui, ou... Parisien. Bon, alors? Tu l'as pas validé, hein. Faut que tu cliques dessus, en fait. Mais je l'ai pas. Mais... Elle a pas... Elle vient d'apparaître, ça y est. Voilà. Parfait, bon. Alors, 036. Il y a aucun avec du monde, en fait. Ok, bah attends, faut mettre dans le chat. Go. Okay. Tu l'as mis, j'ai pas le temps, easy. Allez, on va faire un petit jump et je vais me faire. On va maintenant faire le parc. Sans blague, on a Sinon, je fais du 1v1. Ça peut être marrant. Et merci pour le GG du poisson d'avril, au moins quelqu'un le prend bien, quoi. Parce que il y a eu tellement de haters sur cette vidéo. Moi aussi, je le prends bien, quand j'étais là. Il faut dire que tu as su avant même que la vidéo soit publiée, tu as su même avant tout le monde, c'est à toi que je t'ai parlé du projet, donc. Si on peut parler d'un projet là, c'est le truc qui m'a pris 10 minutes à faire. Bon, on peut sauter sur la redstone, ok. Ouais, il y a des blocs, c'est... Et c'est pas que sur la redstone d'ailleurs, il y a du vide un petit peu partout autour. Enfin, des blocs pour combler le vide, hein. C'est un peu invisible, faut juste connaître et y aller un peu à tâtons. Toi, je sais, ton skin est de mauvais goût à un point fou. Nail 57 440. Par où après? Ah si, je après, sais la spastique qu'il y a sur l'épaule. On sélectionne jusqu'à l'équipe au passage. Ouais, par là. On sélectionne l'équipe au passage. Le live est rediffusé, c'est un peu bof quand même comme skin. Eh les mecs, on pourrait peut-être se mettre dans une équipe. On va dans la noire. Noirs, se mettre dans une équipe éventuellement, ouais. Les noirs. Les noirs. Maîtresse, un Joff, Salbé. Les noirs, c'est des gentils. Oh. Okay, ça te dérangerait de venir dans la team, t'as Joff? Mais il est dedans, mec. Il suit. Comment ça? Et ah, autrement, oui, j'ai trouvé où faut y aller, mais je suis tombé. Attends, je refais l'autre jeu. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Ça risque de prendre du temps à se lancer. Et... Bon, je sais pas que ça à faire, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, ça se trouve, je pourrais même pas finir l'UHC run. Bon, au pire, viens, on change, on fait du solo. Et Ben, regarde où je suis. Ouais, même je préfère quand c'est en solo. Bon, bah, on y va, ouais, mais. Ah, quoi qu'il y a des gens à join. Bah ouais, mais là il y aura jamais assez, mec. Ah si, c'est bon, attends. On pourra faire la game. Putain, 2 minutes. C'est long, 2 minutes. Ouais, faut juste que personne ne live, quoi. Pendant encore 110. Et du genre 3, 2, 1, live. Ah bah ceux qui font ça, des fois ils viennent, ils le font exprès et ça fait rager tout le monde. Ouais, je connais ça. Est-ce que je l'ai fait? Non. Ouais, t'as vu, c'est là. Ça va. Début du jeu dans 90 secondes. Allez, les bleus. Non, mais c'est bon, bah, hey, regarde, je suis en train de stylé. Hey, SLB, regarde sur la maison verte. La maison verte, sur le côté. Wow, sur le côté. Oh, t'es nul. M'arrête, t'es gay que j'ai fait montrer ce message, j'ai du mal à le comprendre. De quoi? C'est la maison verte, je t'ai vu tomber comme une course. Oh, la maison verte, c'est mignon. Allez, une petite minute et ça commence. Il y en a qui habitent vraiment loin d'ici, hein. Ils ont moins de connexion que moi. Tu te rends compte? Moins de connexion que moi. Bah toi t'as le haut débit, je te rappelle. Hein. Ouais, putain, mais c'est moi qui ai à 3 barres là. Oui. Faut dire que je stream aussi. Lol. Oui, c'est pas moi qui ai le moins. Ouais, c'est Alors il y a CLB et il y a aussi Miwan 14. T'en as 3 aussi. Et tout à l'heure, mais je crois qu'il a Miwan, c'est pas compliqué à prononcer. Il y en avait un qui était à 2 de barre. Il y a plein d'équipes complètes, mec. Ça va être stylé. Ça va être stylé. Seulement si j'ai le temps de faire la game. Quelle heure là? 15h21. Dans une demi-heure, il sera 15h combien? Bah, 15h50. Ouais, bah il va falloir vraiment que
que ça aille très très vite, parce que sinon 3, 2, je 1, pourrais pas finir la game vu que là à 16h je suis parti. Bon, je m'occupe des pommes. Ok, je coupe juste du bois pour moi, pour la bouffe. Je vais faire la bouffe. Hein. Et moi, je vais essayer de. Ok, non, mais c'est parfait, surtout. Ouais, voilà. Je m'occupe des pommes, vous vous occupez des œufs. Hashtag bruit, hashtag Saint-Geoff. Comme d'hab, quoi. Épée, je m'en crafte une. Et fais un live avec OBS. Devine ce que je fais actuellement, Minecraft. Mais tu as compris, un live avec OBS. Ah ouais. Bah oui, je suis sur Open Broadcasting Software, hein, y a aucun problème. Hein. OBS quoi. Et si les gens derrière pouvaient arrêter de causer. C'est bon, Charlotte, laisse-lui. C'est ma vache. Prénom en live. Attendez deux secondes. Je lag. Hashtag je suis lent en craft. Hashtag hashtag. Hashtag on a déjà nos outils, mec. Hashtag moi je viens de me crafter les premiers et je cherche un petit peu de la bouffe, des trucs sympatoches. J'ai une vache ici, ça peut être pas mal. Je te vole ta pomme, mec. Hop, voilà, j'en ai 4. Salut, ça va? Ok, donc j'ai pas le son du jeu, c'est pas trop grave. Je te vole ta pomme, mec. Hop, j'en ai ça. Voilà, 10 steaks en 2 vaches, tout va bien dans ce monde. Ah ouais, moi j'en ai 4 en 3. 16 vaches. En 3 vaches. Ok, moi j'en ai 5 en 3 vaches. Ah, oh, j'ai une grotte, je vais voir s'il y a pas un peu de trucs. Putain, 16, waouh. Ok, d'accord, c'est la grotte la plus merdique du monde parce que ça s'appelle désolé, parce que ça s'appelle. Mais pourquoi tu t'acharnes contre moi? Hashtag vous êtes en live, hashtag c'est rediffusé, hashtag je censure rien. Hashtag c'est classe. Me censurera. Qui me recrute dans sa team, je suis avec des tardes. Ramène ta porte, je te tue. Alors j'ai du cuir là où si vous en avez pas. Hein. Moi j'en ai. Moi, et je cherche le canard. Moi aussi c'est pareil. Au pire moi je vais pas. Y'a un point d'eau dans cette map, c'est un truc de malade. T'as dit quoi? Y'a pas un point d'eau dans cette map, c'est un truc de malade. Ouais, si j'en ai plein de. Par là, il y en a, moi. Hashtag le bruit chez Tinjoff. Il va falloir qu'il y ait une réponse pour moi, donc. Est-ce qu'il y a de la canne à sucre? Non, et une demi. Oh, de... Ça va, un demi-cœur, c'est qu'un demi-cœur. Ça m'a pris à cœur, j'aurais vraiment ragé. Allez, courage. Et merci beaucoup pour tes encouragements. La canne à sucre, sans canne à sucre on ne peut rien faire. Quand on aura de la canne à sucre, faudra aussi penser à prendre pas mal de sable. Enfin, pas mal. Un peu quoi. Bah moi je suis passé devant. Bon, je fais confiance pour ça. Hein. Trouve de la canne à sucre. Moi j'ai du sable ici. Moi j'ai commencé à creuser un petit peu. Putain, ça c'est quoi ça? Du putain de lapis. Putain, il y a un une mini grosse, il y a un filon dedans. C'est un filon de lapis lazuli. Bah prends-le mec, il y en a jamais assez. Le lapis. C'est l'importante putain, étude. C'est de la bombure, y a rien. Allez hop, charbon. Ça c'est du bon char. Y a que des vaches sur cette map. Ouais, mais charge de la canne à sucre, c'est ça que je te demande. C'est vrai, je suis en train de le faire. Mais hein. À ce moment-là, Matox dans sa game était déjà full sauf fer. Oui, mais d'un côté il a pas cherché les enchantes vu qu'il pouvait pas. Alors chute. Comment ça et il c'est pouvait Matox. Pas. D'accord. Parce qu'il y avait pas le droit. C'est je parle de la game qui a posté aujourd'hui. Ah hein. Oh, bah je sais pas. Aujourd'hui à savoir le 29. Sans Antoine Daniel. J'ai cru que c'était une araignée, c'était juste un lapin tout noir. Ça m'a fait juste trop peur. Genre je passe et je vois deux arbres où on voit à peine ce qu'il y a entre les deux. Ah non mais parfait, je sais déconnecter. Toi même plus aïe. Il a un petit peu du mal avec sa famille, le Tinjoff. Pendant ce temps-là, je trouve pas une seule grotte potable. J'ai eu que du lapis et du charbon. Donc je ressors dehors. C'est une sorte de désert chelou là, avec plein de sable. J'ai un. Aïe. Oh, saloperie, cœur ennemi. Oh putain, mais arrête de te TP toi et me touche à distance. Dep. Ok, 3 cœurs. Puis. Diams. Tout va bien. Tu vois,
Mon premier filon de fer juste à côté de mon premier filon de diams. Tout va bien. Le fait qu'il y a beaucoup de diams, hein, quand même. Là, tu mines l'obsi direct hein, quand je suis à côté d'un spawn d'un mec vu qu'il y a des arbres tout pété de putain, non, 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 me dis pas que. Non, 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 s'il te plaît. Non, 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 non. J'ai 4 diables. Ah, ok. Là, c'est la mort. Ah, là, bah non, en fait, il y en a d'autres. Lol. Ah, oui, dans les coins. Et merci pour ton appréciation sur le live. La connexion populaire de Tarjoff, là je pense que c'est surtout les connexions familiales en fait. Genre, non, arrête de jouer! Oh, j'ai un bouton! Oh, et j'ai de la canne à sucre! Oh, vas-y, ramasse tout le bordel. Et du sable aussi. Du sable. Important, ça. J'en ai déjà des. Ok, j'ai que deux fils et je vois pas d'autres moutons, donc ça c'est de la pure daube. Donc je vais tuer cette vache. Merde. Enfin, faut que je déplace mon chat un petit peu, voilà. Voilà. Donc là, on se rejoint ou pas? Bah non, ça va être un peu compliqué, on n'a pas le temps. Ah, je tue tous les moutons de façon à avoir... Des arcs. Ouais. 111 111. Là, hop, j'ai un arc. Faut que tu craftes 111 111, sinon ça va pas. Lol. J'ai un arc. Hop, un autre mouton par-ci. Ah, ok, on a qu'un arc. Parce qu'il n'y a pas d'autre mouton. Chai à une grotte. Je pense qu'il te revient de droit vu que tu as trouvé le mouton avant tout le monde. Non, prends l'arc. Oh putain! Ah, j'ai 3 creepers, 4 putains de creepers et un zombie, c'est un petit peu abusé. Ok, j'ai le nombre parfait de cuir. Je regarde moi aussi, j'ai pas bien là. C'est le chiffre que t'aimes bien, le deuxième chiffre que j'aime bien après 13. Explose, Zep! Putain, 5 creepers sur le même bloc, tout va bien. Oh, popo! C'est quoi ça? Voilà, c'est bon, j'ai buté tout le monde. C'était épique. Moi, j'ai exactement 16 frères. J'ai 16 frères en un filon. Oh, j'en ai 0! Yes! Et depuis quand on craft. Depuis quand on fait du diamonds avec du. Piège en fer, voilà, une piège en pierre, voilà. C'est pas sur Minecraft Vanilla, clairement c'est un nuage Seren, hein. C'est un nuage, c'est parfaitement custom. Et... Je sais pas si tu m'as entendu, mais j'ai un Nether. Un Nether? Putain, t'es quoi? C'est la seule chance de survie, on a quasiment rien. Là. T'inquiète, je fais potion et je vous file tout après dès que t'as un jeu se recoupe pas. Et si tu veux, je suis en moins 50, moins 100. En gros. Ouais, bon, ça va pas être très utile finalement. C'est pas je sais pas pour mais... DSL mon frère. Et j'avais la flemme de lire la suite donc j'ai pas lu. Okay, enfin c'est surtout non, mais flemme d'ouvrir sur Skype. En gros, son frère a piqué une crise contre sa sœur et puis finalement c'est retombé sur lui parce que c'est aidé. Oh, j'ai failli me prendre des dégâts de suite et je crois qu'il y a de la lave en dessous. Oh, sauvetage inextrême. Oh, diamant en minant dans la forteresse pour rejoindre le côté cool. Ah, la connexion de Tarlos, la connexion familiale. Je commence à avoir pas mal de fer, je peux me stuffer à peu près, sauf qu'on a déjà fait la moitié de la game. J'ai 4 diamants. La luck de Matox. J'ai pas le skill de Poppy Games. J'ai pas les diamants Nems, je n'ai pas la Aishad non plus, non, je n'ai pas ces choses-là. Ah, ah, je suis un mauvais joueur du HC Run. La 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 la. Bref. Wow, je me casse. Eh ouais, un peu le seum pour Tinjoff, mais. Allez, envoyez tous sur Twitter hashtag je suis Tinjoff. Oh non, plus de ta maman. Non! Oh, j'ai pris trop de dégâts, je me casse. Oh, double squelette dans la tête, ça fait trop mal. Oui. Je me fais une pomme maintenant. Et je la bouffe maintenant. Moi j'ai ni pomme, ni or. Tout va bien. Ok, attends. Et ouais, attends, c'est le seum de. C'est le putain de seum pour Saint-Jean. Ok, alors. Du coup, faut que je. Je suis fier de mon improvisation live. Ah oui, c'est même pas là ce que t'as dit, c'était même pas... Bah, c'est improvisé. C'est de l'improvisation. Ok, bon. On n'a pas d'or du tout.
Alors là, il y a quoi? Deux diamants. Une grotte. J'espère qu'elle ira plus loin. Une queen enny. Que nenny. Eh, t'as combien de diamants, t'as dit? J'en ai 10. 10 quand même, c'est déjà pas mal. Ok, moi. Alors là, je peux faire les potions de je sais pas quoi, de speed. Et il m'en faut une autre de blaze rod. Je reviens, je mets pas, c'est juste merveilleux. T'en as combien, t'as dit? J'ai pas écouté. 10 ça, putain. De diamants? Bah oui. Ah bah alors t'es bien là. Fais-toi fais-toi la enfin prends la comment s'appelle. Je sais plus parler. À gauche. Bon. La pioche. Fais la pioche. Et mais après on peut creuser obsi avec une pioche en fer. Non, bah, je si. Crois pas. Si. Ah ouais. Si. Je veux pas. Si. Ok, prêt pour Rush Blaze. Allez, go, 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 go. Ah, il faudrait que... Alors, il me faudra de l'eau. Ah, ok. L'eau glitchée ta maman. Ok, je vais faire un saut, je vais récupérer cette eau et je vais faire les potions speed en attendant. Oui, toi, c'est bon, tu as Twitter. Donc, je vais écrire ça. What? Là, c'était bugué, je peux pas récupérer le saut. C'est pas grave. J'espère que je peux au moins. Ok, il y a un blaze là. What? Comment ça tu me frappes? Ok, c'est bon. J'ai tu blaze gères, rod. Tu gères. Ouais, t'inquiète. C'est bon, j'ai potion de force. Bon. Quoi? What? Non, 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 non. Non, 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 ça compte pas. On revient. Et on se calme. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, misclic. Quand j'appuie sur échappe, ça met mon curseur au milieu de l'écran, forcément. Pile poil sur le bouton déconnecté. Quoi? C'est bon, tu t'es recours. Ça avait été remis en jeu, mais non, j'y suis pas là. Wow. Ah, si. Si, c'est bon. Ah. Alors, par contre, j'ai un gros problème, j'ai pas d'eau. Pas de water. Non, mais là, c'est un gros problème, c'est vraiment un gros problème en fait. C'est ah, pas, oui. Ah, oui, en effet. Ah, oui, Valos. Putain, mais j'ai exploré toutes les grottes, mais il y en a 50 millions. Et Bolos, quoi, j'ai fait une grotte et je suis tombé là-dessus. Oui bon mais c'était une blague. Putain mais je suis nul à ce point. Je suis over passif là, je fais rien du tout, je suis nul. Ok, un diamant encore, j'ai un plastron mec. Ah je vais faire un. Je vais prendre un de quoi faire un cheval. T'as tweeté je suis un jeuf, c'est. Et bah moi aussi j'ai tweeté je suis un jeuf en le mettant sur Twitter à @dragoniasworldia. Il a le don pour trouver des pseudos complètement random, t'as Joff. Ok, donc le type avec un skin tout à fait détestable est mort, tant mieux pour lui. Oh putain! Genre le squelette en mode furtif quoi! Squelette invisible! En mode, hé, tu me vois pas! Et bah tu t'es pris une flèche dans la gueule, lol, humad! C'est vrai. Rien de ma life, mec. Tweetez tous, bah, je suis un Joff. Eh, par contre, là il nous faut masse plus de pommes, ça veut rien dire. Mais il faut beaucoup plus de pommes que ce qu'on a déjà là. Ok, ça tombe bien, je suis dehors. Et enfin, je dans les arbres. Parce que j'ai déjà. Oh là 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 là, tu te calmes le creeper, tu te calmes. Nope, 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 nope. Oui maintenant. C'est bon, je suis pas mort. Je vais pas faire une talisker pour ceux qui ont vu la vidéo. Genre, il s'est ramené sur un creeper, il a fait. T'inquiète, je m'en occupe, il a explosé. En one shot. T'inquiète, je m'en occupe. T'inquiète, mange. Bien, il y avait quelque chose derrière ce. Aïe! Oh le diamant invisible! Oh là là! J'ai 7 pommes si je te pose la question. Hein. Quoi? T'as 7 pommes? Ça suffit grave. Arrête de couper des arbres et cherche plus de je sais pas quoi. Bah dis-moi. De la piste surtout. Et d'XP. J'en ai 9, c'est déjà pas mal. De quoi? J'en ai 9. 9 quoi? De la piste. What? C'est déjà pas mal. On est deux mecs. Ouais non je fais exprès. Attends mais c'est. Y'a une feuille qui s'est cassée toute seule ou y'a eu un petit rollback? Sûrement un petit rollback. Non parce que sinon ça veut dire qu'il y a un type juste en dessous de moi et. Et alors on s'en fout. Oui un peu. Ok donc du coup je vais prendre un peu de gravier un peu. Oh mon dieu, on s'en fiche complètement. Ok par là y'a rien. Je et déforester c'est complètement facile. De quoi? Déforester dans ce jeu c'est facile.
Oui, c'est sûr. Alors, le fer, je pense que j'en ai assez, donc on va pas se faire d'enclume. Ok, de l'or. J'ai toujours pas fait de pioche en fer. Et je suis toujours no stuff. Tu peux creuser avec la pioche en pierre sans problème. Pixel, okay, je joue avec Ben 13. Ouah, tu me tues pas. Ok, d'accord. Oh, sacré grotte. Mec, regarde ma life. Je suis pas le mieux. Je suis pas le pire, je veux dire, mais quand même. T'es pourquoi? Ah oui, il m'affiche plus les teams, très bien. Ben 13, à 4 coeurs, non mais hashtag BG quoi. Non mais tu te rends pas compte qu'il y a un milliard de mobs dans mes grottes, mais qu'il y a un milliard de... Alors sécurise ou casse-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sécurise en GTFO. Je peux me faire deux ou trois pommes là. Bon, je vais me faire une pioche en fer, c'est trop pas long. Enfin, trop long. C'est trop pas long. C'est trop un pantalon. Lol. Désolé. Je me fais une pioche en fer et toi une pioche en diams pour récupérer l'opsi. Ouais, je vais me faire une pioche en diams, écoute, hein, merde. T'as de l'opsi ou pas à côté de toi? Non, pas du tout. Attends, moi j'en ai un, pas loin, je vais voir s'il y en a quatre. S'il y en a quatre, c'est moi qui le fais, d'accord? La pioche. Bah, je me suis crafté la pioche en diams. Ah merde. Bah, essaye d'en trouver alors. On va pas se faire de pioche, moi j'ai 12 diamants, je peux me faire un plastron et des bottes. Ok, il y a la blinde de mob, mais il y a aussi la blinde de diams. C'est un peu la situation okay, classique, quoi. Vas-y. En gros, je peux choper diams sans leur choper leur aggro, mais il faut que je sois discret. Putain, trop tard, j'ai chopé aggro d'un zombie. Ils vont tous se pointer. Ça, un zombie, c'est rien. Je me suis pas fait d'épée depuis le début de la game, je précise. Là, par contre, t'es mort. Lol. Une pioche en diams, c'est comme une épée en fer. Ça a juste plus de durabilité. Et on peut pas faire de pareil contrée. Ok, donc là il y a plein de diamants, mais je suis obligé de capter Creeper. Trop tard, j'ai capté le Creeper. J'ai capté Squelette aussi. 3 minutes. Et. On va pas avoir le temps de faire quoi que ce soit en 3 minutes. Ok. Du genre, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut. Ok, non, alors c'est la merde. Oh merde, je suis capté, je vais crever. Enfin, non, je vais pas crever. Oh. Rush! Merde, j'ai pris une flèche. Putain, une deuxième flèche. Putain. Ok, j'ai des rollbacks. Putain, j'ai rollback le squelette ultra loin. Ok, il est mort. Admettons. Putain. Oh, chance. Luck. What? Non. Ne meurs pas. Oula, je me putain, cache. Mange une pomme, fais quelque chose, mais là, tu peux pas tenir à deux cœurs. Je peux faire des. Oh non, le zombie, tu te casses. Non, tu te casses, je suis désolé. Au revoir. Je me cache, je vais à la surface, mec. Bah, oh, y a un mouton. T'aurais dû avoir le réflexe depuis assez longtemps, je pense. Hein. Putain, j'ai une faille, mais. Juste ce bouton. Oh, merci. Oh putain, y'a d'obsidien juste là. Faut que j'y aille. Faut que je fasse. Ouais, je suis en pur stress de ta maman. Le zombie est pas loin. Me dis pas quelques trois obsidiens. Je veux faire quoi déjà? Je sais plus. Si, ça. Putain, y'a que 3 obsides, t'es sérieux? Mec, je perds tous mes moyens là. Mange cette pomme. Mange cette pomme. Je vais dropper les deux par terre pour pas que ça fasse le bug. Ok, donc j'ai plein de pommes. Un peu. Ok. Comme ça. Alors. Du coup. Bah, j'ai de l'eau là, je suis con. Vite. Il reste combien de temps là? Il reste. Oh putain, 1 minute 6, dépêche-toi. J'aurai pas le temps, il y a un zombie qui arrive vers moi. Et merci pour le coco tout le monde. J'ai 23 diamants. Aperture Companion Diamond. Aperture Science Rights Reserved. Ok, d'accord. Il y a un troll, c'est. Est-ce que ça vient de. Ça vient de Mojang ou ça vient de UHC Run? D'UHC Run. Du coup, les potions, est-ce qu'on dès qu'on spawn, on se met une sorte de tower ou un truc de merde comme ça pour. On se protège, on s'essaye parce que là, j'ai de quoi faire la table d'enchant, t'as de quoi faire les potions, on peut être bien, mais j'ai 23 diams aussi. Ok, bah toi, tu te mets full diams ou alors tu m'enfiles, je sais pas, moi j'ai 12 diams. Bah, t'es bas en live. Moi j'ai beaucoup de pommes, est-ce que t'as de l'or?
De l'or, non. Enfin, le 4. Putain. J'ai deux points. Oh, mais il y a des thèmes juste là. Ah, ah, bordel, bordel. Bordel de merde. Je les ai touchés. Les diams. Donc là, mec, moi je suis no stuff en hein, perso. No stuff. Ah, okay. Le lag. Prends les 18 diams, prends la moitié des. Enfin, prends du fer. Prends tout, fer. On s'enferme. Garde tout et on s'enferme. Putain, ok. Ça se la joue en mode barbare. Ah, je lag trop. Ah, horrible. T'as l'air de souffrir. Ah non, mais là, attends, je te dis combien. 5. 5 fucking FPS. Okay, bouche au-dessus, bouche au-dessus, bouche au-dessus. Bah ouais, c'est fait. Okay, ce que tu vas faire, tu vas prendre la moitié des diams et l'intégralité du fer et tu vas te stuffer. Ouais, alors attends. Table de craft. Perso, je me suis pris de la vie aussi donc. On est tellement mal. Non, pas si mal que ça, hein. Mais pas stuff. T'es pas si mal que ça, t'es quasiment mort et t'as pas de pommes. T'as combien de diams, mec? Hein? T'as combien de diams? Diams, j'en ai encore 11 sur moi. File-moi tout, file-moi tout. C'est quoi l'épée du serve? Ça. Oh putain, non, la border se rapproche. Oh non, on se casse, prends, prends tout. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Oui. On a encore une dizaine de blocs devant nous, mais quand même. Ah le lag! Mais c'est quoi ça? Bordel. Ok, bon, tout va bien. On va crever. Pose une table de craft. Pose une table de craft. Je me mets full diam. Vite, dépêche-toi. Ah. Je te couvre. Enfin, du mieux que je peux, quoi. J'ai pas d'épée. Quel bolos. Crafte-moi une épée par la même occasion. Wouah! Mais c'est quoi ces lags? Tiens, je te donne 5 diamants, t'en fais ce que tu veux. Une épée. Lol. Ouais, vas-y, fais ça. J'ai pas le temps, j'ai pas de bois. Putain, on se casse. Ok, je suis trop mal. J'ai droppé de bois, hein, mais... Ouais, mais je peux rien faire. Je lag trop, mec. Et tu te rends pas compte, je suis 5 FPS. Et Gens explique ça comment? Mais j'en sais rien, ça m'a jamais fait ça. Enfin, si, mais pas dans... Voilà, c'est bon, c'est revenu. Non, c'est pas revenu. Putain. On pose une. Ok, bon, il y a. Viens, on va plus vers là et poser une table de craft. Je t'ai paumé. À l'inverse de là où on était. Là, sur le côté, de l'autre côté. Wow, t'es calme, derrière toi, là, ici, merci. Viens, on va par là et tu poses une table de craft. Viens ici, et tu me files le bois. Cette fois, je vais pouvoir crafter. Bon, écoute, tiens, derrière toi. Oh putain, ah, c'est bon. Et l'IP du cerf c'est mc.cmagames.net. J'ai toujours pas dit moi. On est pas enchante. J'ai de quoi faire les enchantes. Tiens, je te file l'obsidienne. Non, fais-toi le truc. Fais-toi tout. J'ai pas de papier. Ok, tiens. Ok, bon. On s'est fait tellement prendre au dépourvu, wesh. Si on a un cheval, moi je peux me faire un cheval en diamant. On s'en fiche. Attends, je me fais un briquet. Ça peut toujours servir. Refile le fer. Ouais, c'est même super important. J'avais plus de place. Je peux savoir ce que tu dis. Ouais, mais t'as pas de lapis. Du lapis, j'en ai un petit peu quoi. Tiens. Ouais, bah file juste pour. On fait aucun enchant raté, ok? Oui. Si on peut pas faire un enchant, tant pis. Ouais, je veux juste une épée. C'est quoi vos épées, ça fait trop mal. On est dans la merde. On est même pas stuff. Putain. Je vais pas te voir quasiment nos stuff comme ça. Non, fais gaffe, la border se rapproche dangereusement. Faut juste que je récupère ça. Un bloc. Zéro bloc. Ok, j'ai tout chopé bien. J'ai tout rechopé ma merde, mais c'est pas grave. Okay, j'ai une épée char 1, j'enchante ce que j'avais en diams. T'es full life, et pas qu'un peu. Mais oui, tu ah m'aimes pas. Je suis mal. Ok. Easy. Son putain, épée, elle est nulle en PVP. Non, mais c'est. Oh putain, mais on a été les derniers survivants. Ah ouais? Et on s'est fait tuer par le type, je lui ai mis super mal en plus. Donc t'es le dernier, genre. Easy. Allez, on va voir le débriefing. UHC run. Ah, moi je me casse.
Du coup, on peut se faire un... je sais pas quoi? On peut pas se faire un petit jeu, un mini-jeu, un... je sais pas quoi sur quel tien. J'ai mis super cher. Total. Donc, j'ai mis 4 coeurs quand même. J'ai été tué par un type qui n'a tué personne. Enfin, non, c'est moi qui ai tué personne. On fait quoi là? On va sur quel ah, serveur? Ah, ouais, parce que ok, donc on a un espagnol qui nous insulte, je crois. Je crois. Ok, donc encore un type à se faire bannir de la chaîne. Voilà. Viens sur PlayScraftCon. Attends! Putain. Ok, je suis en train de modérer le live un petit peu. Ouais, il y a masse de monde dans Sky Wars. Bon, alors, bon, je vais pas effacer ce bordel. Signaler. Et voilà. C'est bon. Je supprime ce qui nous plaît pas. Mais c'est une exception là. Bon, et moi j'arrête le live, attends, il est 47. Ah ouais. On doit partir. Donc je suis obligé d'arrêter le live ici. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Une jolie petite partie sur la fin. Je peux pas m'éterniser plus longtemps, je n'ai plus qu'à vous dire une seule chose, c'est-à-dire au revoir, c'était CLB!